drop it. Hey, salut à tous amis, c'est Teacher Ming. On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo. On est parti pour l'étape 6 de notre tour avec la Dimension Data, je crois. Je vous laisse tout de suite la présentation de l'étape. De retour, donc voilà, présentation un peu de l'échappée, on retrouve Jérôme Coppel accompagné de Ramunas Navauskas, Jürgen Vandenbroek, Serge Powels et Julian Alaphilippe. Deux Français dans l'échappée, et oui. Donc le peloton qui a 3 minutes 49. Donc là ça va monter dans pas longtemps, la montée du col d'Aspin. Un col qui fait quand même mal aux jambes, qui est réputé pour faire mal aux jambes. Donc voilà, ça va faire mal aux jambes. Allez. Jeanne Alaphilippe avec son maillot à poids. Donc nous, on est parti avec Serge Powels. Voilà, tranquillement. Donc on a Marc Cavendish en bonne forme. Mais bon, ça va servir à rien. Mais on a Stephen Cummings en excellente forme. Et là, je dis oui. Donc ça veut dire qu'on va pas normalement perdre notre maillot jaune. On va pouvoir faire quelque chose. Et peut-être faire une descente à fond pour reprendre du temps. Bon, ça c'est vraiment pas sûr. Hein. Je vous le dis direct. En plus là les gars, je tourne l'étape 6. Il faut que je tourne les 21 étapes. Donc voilà, ça va être très très compliqué avec les étapes qui arrivent. Parce que là on arrive aux étapes de montagne. Et ça va faire mal aux jambes. Ça va faire très mal aux jambes. Et ouais, et du coup ça va être long, je sais pas pour combien de temps j'en ai. J'espère pas en avoir pour longtemps parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. J'ai vraiment que jusqu'à vendredi. Et on est mardi. Et je ne suis pas là cet après-midi, je suis pas là demain. Je suis là jeudi, vendredi. Donc voilà. Ça va être chaud, ça va être très 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 chaud les gars. Bon, en tout cas nous on reste tranquillement dans l'échappée. Et on va passer à la question du jour. Donc j'ai même pas pensé à choisir une question, et le pronostic que j'ai encore oublié à l'étape d'avant. Donc cette étape, franchement je vois bien Vincenzo Nibali. Je parle en IRL, franchement je vois très bien Vincenzo Nibali, ou peut-être Romain Bardet s'il arrive à tenir. Mais si Vincenzo Nibali arrive à tenir, je le vois gagner perso, je le vois gagner personnellement. C'est un truc pour lui, c'est vraiment fait pour lui. Après pour Romain Bardet ça peut être pas mal aussi. Après dans aujourd'hui, bah je sais pas, peut-être une petite victoire, je sais pas du tout, peut-être Romain Bardet, je franchement je dis vraiment pif parce que j'en sais rien du tout. Pour vous dire, j'en sais rien du tout, qui c'est qui peut gagner. Donc voilà un peu tout. Donc question, ok, petite coupure, retour. Excusez-moi, ça a été une grosse coupure. Bon, vous avez pas vu, mais bon, c'était une bonne grosse coupure. Donc, on est toujours avec Serge Powels, s'en échappe. Ok. On suit Jürgen Vandenbroek tranquillement. Il n'y a que nous qu'on n'a pas pris de relais, mais bon, on s'en fout. Nous. Allez, putain, avant, il y a trois pèlerins sur la route, tu sais. Il n'y a personne. Allez. Hop. Non, je sais même pas si j'ai fait la question du jour ou pas. C'est pour vous dire. Non, j'ai pas fait la question du jour, les gars, normalement. Oui, c'est vrai, j'étais en train de chercher une question. Attendez, parce que j'en ai eu une de Shao. Ouais, voilà, Shao 44. Pour toi, quelle sera l'étape où les favoris pourront assommer le tour? Pour moi, l'étape où les favoris pourront vraiment assommer le tour, ça sera l'étape pour moi du Mont Ventoux. Pour moi, c'est la plus grosse étape qu'il y a. C'est là où vraiment il y aura des écarts, à mon avis. Parce que le Mont Ventoux, c'est vraiment une étape qui fait beaucoup mal. Et normalement, ça...
Ça devrait partir dès le pied et ça devrait. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Ça devrait être comme ça jusqu'à la fin. Normalement, il n'y aura pas de gros problèmes pour que ce soit une grosse étape. Mais normalement, ouais, ça sera l'étape où il y aura le plus d'écart, je pense. Le tour va vraiment se jouer. Ouais, j'imagine que ça sera là-bas. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que ça va être totalement sur une autre étape. Que fait Jonathan Philippe? Il s'est arrêté, ok. Post-pipite. Je suis sûr, en 2017, il y aura ça, on pourra s'arrêter pour aller pisser. On sera obligé. Oh, désolé, au revoir. Donc voilà, c'est un peu tout pour l'instant. Nous, on va repasser sur Stephen Cummings. Cela en fout un peu rien avec Serge Powell. Et hop, on va se mettre. On va se mettre dans la roue de Valverde. Oh oui, ils sont chauds. Les mecs sont déjà à fond. On va se mettre dans la roue à Romain Bardet. Allez. Hop. Ah, le petit maillot Tinkoff que j'ai, moi. Que j'ai tranquillement dans ma chambre. En plus, c'est le même. En moins, le mien, il est un peu plus vert. Parce que sans faire exprès, j'ai pris la. Il y avait le choix entre yellow et green. Et moi, j'ai. Moi, je sais pas pourquoi j'ai. Green, voilà. Donc. Romain Bardet est ici. On est derrière le jeune Romain Bardet. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à vous dire. Donc, ouais, l'étape pour moi, ce sera l'étape du Mont Ventoux. Franchement, je vois pas d'autres étapes qui peuvent être trop si grosses. Ouais. Je vois pas vraiment d'étape. Franchement. Bon, après, je connais pas toutes les étapes aussi. Donc, peut-être qu'il y a une autre grosse étape, putain. Peut-être que ça se trouve, il y a une grosse étape que j'ai complètement oubliée, mais. Mais normalement, ouais, je pense que ça va se jouer ici au Mont Ventoux. On avait vu les écarts en 2013 quand même. Les écarts étaient gros. Donc voilà. Et j'espère qu'au Mont Ventoux, français ferait quelque chose. Enfin, ferait quelque chose. J'ai pas dit échapper, genre Pierre Roland et Thibaut Pinot, c'est les mecs qui partent en échappée, ils gagnent. J'ai dit qu'il fera quelque chose, genre il suit Froome. J'ai bien dit ça. Que quelqu'un suit Froome au Tourmalet. Ça serait vraiment cool. Ça serait cool. Ça, je peux vous dire que ce serait super. Mais en tout cas, ouais, quand même, après, il y a des étapes jusqu'à l'étape 21. Donc, voilà. Jusqu'à l'étape 21, on a. Non, jusqu'à l'étape 20, on a des étapes de montagne. Donc, voilà, ça va être dur. Allez, 2 minutes pour l'échapper. On est à 22 km. Mais bon, on n'a pas passé le col d'Aspin encore. Je vous dis qu'on n'est pas arrivé. On n'est vraiment pas arrivé encore. Ah. Tout le monde remet son maillot tranquillement. Lui, ça fait deux fois qu'il le met. Les mains sur les cocottes. Et c'est parti. Ponzo Vivo, le petit coureur de la GDR mondiale. Elle n'empêche, ça fait des beaux plans comme ça. Ça fait vraiment des beaux plans. C'est stylé, je trouve. Pour une miniature, ça peut être beau. Il faudra que je les garde, ces plans, pour faire pourquoi pas des miniatures. Allez, c'est reparti. Col d'Aspin, 12 km à 6,5%. C'est pas un col très 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 dur. Mais c'est un col qui fait mal. C'est un col qui fait très très mal. Et ça attaque dès le pied, ça putain, Renshaw, Renshaw, Renshaw. Ah là là, le maillot jaune se fait bloquer. Le maillot jaune s'est fait un peu bloquer là. Mais wesh, ils sont agacés ou quoi? Ils font quoi là? Les mecs, ils roulent comme des tocards. Hein. Oh. Bon allez, nous on va se relever un peu. Hein. Allez là, on attaque des pourcentages un peu plus durs. On attaque du 9%, du 10% à peu près là. Ah, Valverde, non c'est Roras pour maillot et du coup moi j'ai pas l'habitude des nouveaux maillots. En tout cas attaque de Romain Bardet.
Il est combien en général, Romain? 10e à 9,57. Bon, ça va. En fait, à tout le monde, je peux dire ça va du coup maintenant. Allez, ça fait 3 km qu'on est dans le col d'Aspin. Non, sérieux, c'est trop dur pour Sacha Mondolo, forcément. J'ai un mec, c'est une étape de montagne et il dit que c'est trop dur pour Mondolo, c'est totalement normal. Allez, Stephen Cummings, allez mon gars. Oh là là, deuxième coupure. De retour les gars, enfin. Allez, 13 km de l'arrivée. Putain, mais ça roule trop fort quoi, c'est un truc de ouf. Mais c'est impossible de les suivre, c'est vraiment impossible de les suivre. Même Mollema est lâché. Mais regardez ça les gars, ils sont sur cheat. C'est pas possible. Ils sont dopés tous. Ils sont tous dopés. Là, Vandenbroek lâché. Ah, 5 km. Elenao lâché. Moreno lâché. Puis Roland, on en a Navarro's casque. Ok, putain, il y avait encore Navarro's casque. Voilà Philippe. Golsan Kreuziger. Là ouais c'est vraiment. C'est vraiment au rythme. Là ça décroche tout le monde au rythme. Michael Rogers. On emmène avec Xavier Moz et Inyo Zakarin dans notre roue. Costa, Rodriguez. Roland. Ah ouais, c'est vrai Costa qui n'a plus son maillot de. Qui n'a plus son maillot de champion du Portugal. Allez, 2,5 km. Ah non, oula, non, 2,8 pour nous. Bon, normalement, on devrait encore avoir le maillot jaune, hein, on va pas perdre 9 minutes. On va pas perdre 9 minutes sur les coureurs. Ok, on rattrape Nairo Quintana en défaillance. Mikral Kwiatkowski en défaillance aussi. C'est vraiment pas le tour de Nairo Quintana aujourd'hui, enfin, pendant cette année. Même si je le vois gagner, mais dans le jeu, c'est pas son tour, hein. Allez, on est pas mal pour, quand même avec Cummings, Yannibali pas loin, Porte pas loin, enfin. Franchement, on se met bien, on est 14e, donc c'est vraiment pas mal pour Cummings. Allez, on a bientôt fini le col d'Aspin. Ah, Romain Bardet sur un nouveau maillot à poids. Romain Bardet qui va aller s'imposer, je l'avais dit en début d'étape. Romain Bardet, quand même vraiment des étapes bien faites pour lui, genre cette année. Des étapes qui montent, qui sont régulières, mais après que ça descend beaucoup, et c'est vraiment fait pour lui tout ça. Ouais, on va se reposer un peu quand même. Sinon, on finira jamais. S'il y a des petits passages techniques ou pas, je sais pas, pour l'instant non. Allez, allez Stephen Cummings. Allez Stephen Cummings qui est présent. On va rebondir sur les barrières dans tous les cas. Hop, voilà. On va faire une 14e place normalement.
On va faire une 14e place, donc c'est plutôt pas mal. Ok, Fabio Aru et Vincenzo Nibali qui vont prendre à respecter. Eh non, ils vont se faire griller par Richie Porte. Calme. Calme, Richie. Ah! Yes, 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 les gars, c'est nickel ça, ce qu'on vient de faire. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool, on vient de faire un bon truc, un très très bon truc. Allez, Marcus Van Steyen, on va l'atteindre, il est en descente, de toute façon il va vite arriver normalement. Hop, Yuan Zhen. C'est bon. Maillot jaune, toujours, et maillot vert. Mais oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Victoire dans l'Irlandais devant Dan Martin, Valverde, Mollema, Barguil, Contador, Pinot, Froome, Galopin et Pouls. N'empêche, ils étaient tous en super forme. Bon, nous aussi, mais bon, on a fait un bon truc. Je suis pas me plaindre. Toujours maillot jaune avec Cummings pour le maillot vert tranquillement. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour Pau Bagnard de Luchon dans la première étape. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. À la prochaine, portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.